Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans une petite arène abonnée avec Skyros 80 qui jouera Ares Fernando, Shame Lapin qui jouera Daisy en désespoir, Daisy d'Esper, Scylla, une Nox qui sera jouée par Etsuku-kun et Alcold FR qui jouera Unbat. Désolé si j'ai mal prononcé vos pseudos. On aura donc une compo intéressante avec un frontlaner Ares, un semi-frontlaner Unbat, deux mages et un ADC. Je vais prendre le starter classique sur AFC, sur Ouli, sur Medusa, sur pas mal de persos comme ça. La transcendance en deux. Alors, ce skin là, je l'aime beaucoup d'AMC. Alors vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup AMC. C'est un de mes ADC préférés parce que j'aime beaucoup son burst. Après, il est difficile à jouer en conquête, mais je trouve que dans des modes comme l'arène, l'assaut, la joute, c'est un assez bon perso. Vous êtes une petite tourelle portative. Vous n'avez pas d'énormes escapes, tout ça, comme beaucoup de persos, comme Ouli, comme Ulr, comme Anur. Mais vous avez quand même une certaine capacité à vous mouvoir grâce à vos ruches qui vous donnent une bonne move speed. Et puis on fera peut-être un Fatalis en dernier objet pour avoir de la move speed et pour pouvoir chase des adversaires. Parce qu'AMC est une véritable mitraillette. On pose des ruches un petit peu partout pour gagner le bonus. Attention Sovek, ouais, il place le grab. On va essayer de DPS les carry, on n'a pas réussi. Nox, Nox. Trop bien joué ça. Oh, oh. Non, Unbat qui a jumpé. Sovek il va bientôt récupérer son dash, donc faut faire attention. Peut-être essayer de nous mettre sur nous, donc faire gaffe. Oh là là, oui. Coucou. Ça va? Ça va Sobek? Ah, j'ai raté de la site. Non, non! J'aurais du beads. J'aurais du beads. Non! Hein, on prend aucun kill nous sur le coup. On se fait même push, on a un deuxième mort. Ah là là, j'arrive vraiment pas à timer mes beats sur les dash quand je parle. C'est un truc de malade. Ah ouais, là on vient de donner 3 kills. Très clairement, cet arrêt d'abonné va pas se passer comme les autres. Va être un petit peu plus dur. Ils ont beaucoup plus de frontline, hein. Ils ont deux frontliners. Je le dis souvent en arène abonné, hein. Faut en avoir deux des frontlines. Faut avoir un guerrier et un gardien dans chaque game. Faut avoir un mage, un ADC. Deux mages, un ADC. Ou alors un mage, un ADC, un assassin. Mais il faut avoir une compo. Ouh, le burst qu'on lui a mis. On a du burst quand même, hein. Oh non, il va s'en sortir. Unbelievable. On a mis un peu trop de dégâts. C'est vrai que combo d'AMC plus le combo Scylla plus le combo Nox. Voilà, l'auto-attaque. Oh. Il sécurise le kill, bien joué. Ah, c'est bien, on remonte là. Attention, il y a le Sobek qui veut grappe quelqu'un là. Voilà, il aggrappe le Ares qui s'est fait directement choper par Nox. Les dégâts sur le Sun Wukong. Oh, il a pris cher. Il a pris cher. On récupère notre premier kill. On est content. Ça récupère, ça corrige notre mort de tout à l'heure. On voit que côté adverse, de notre côté et du côté de l'équipe adverse, il y a du combo. Hein. Il y a du combo. La chaîne sur Artemis, on la slow ensuite. Double slow. Et on a une Nox des deux côtés, donc c'est pas facile. Attention Scylla. Oh, elle a eu le temps de sentinelle out. Oh, l'ulti de Nox. Très bien joué. Hein. Elle joue bien la Nox. Alcod aussi, il joue bien. On lui fait mal, mais on sait qu'on n'arrivera pas à le tuer. Du coup, mon petit Vulcain. Regardez les minions qui passent. On a fini la transcendance, on essaie de l'acheter. On part ensuite sur les bots. Oh, le Ares qui prend son kill, bien joué. Skyros 80 avec son Ares, c'est bien. 5 partout, mais regardez, on a beaucoup de points de retard parce qu'on on lastique pas bien les sbires. Ce qui fait qu'on a quand même.
6, 6 et 5, 11 points de retard. Ulti d'Ares, ulti de Scylla avec l'ulti de... Double kill. Bon là ils ont plus de backline, donc on essaie d'aller chercher les kills sur le Sun Wukong. Sun Wukong qui arrive à s'en sortir. Unbats qui va essayer de jump in. Ah, le sommet qui a carrément réussi à prendre son kill tout seul. Désolé, my bad. On le slow. Laissez-le moi. Non. Okay, on a eu celui-là. On va aller chercher les tapis de guerrier. On va faire Asie. Pardon. On va faire Asie. On va faire Asie, Seize de Kin, Play au Titan, Fatalis. On va peut-être faire ça. Le Vulcain, long de slow. Non. Oh, je suis mort. Ah non. Ouais, c'est de quoi il m'a pas vu. Le Sobek, par contre, il m'a vu. Bon, il prend cher le sac à main. Le sac à main prend cher. Et encore le singe qui prend le kill sur le sac à main. Sur la coste. Attention. Ouf. Il a pris cher. Ah, il y a l'ulti. Non, ne vous avancez pas. Oh, vous avez... oh, ils ont failli transmettre. C'est là que ça aurait été ballot. Hein. On a failli transmettre l'ulti d'Artemis à Unbats et ça l'aurait peut-être tué. Ça aurait été la Morconne. Hein. La Morconne. Mais c'est vrai que l'ulti Artemis fait le café en arène. Quand les gens sont pas hyper bien organisés pour le gérer, ne focus pas le sanglier tout de suite. Parce qu'en fait, faut le focus le sanglier et vous le tuez. Après, il dash tellement vite que c'est assez difficile à focus. L'ulti Nox qui ne suffit pas. Unbats. Oh, Unbats qui décide de jump in. L'ulti Nox qui ne passe pas. Le Sun Wukong, faut le tuer. L'ulti Vulcain. No more cries. Faut le taper les gars. Faut pas le laisser tuer Ares. Oh. Ah dommage, je lui ai raté. Non, faut que je beat parce que si je me prends le sort de Nox. Non. Oh bah non, oh bah là je suis mort. Je suis mort là. Dommage, j'ai pas été aidé par mes teammates. Je pouvais pas m'en sortir, j'étais foutu. Je suis à MC, hein. C'est le gros souci. Je suis à MC. Quand vous jouez à MC, le souci c'est que vous jouez à MC. Y a pas plus philosophique. La chaîne, ça force la purification. On slow. On met le 1. Oh, on va pas le tuer. Unbelievable. Ah, quoique. Non, on ne tuera pas. Et il joue bien en face, hein. Ça joue pas mal. Ça joue vraiment pas mal. Faudrait tuer le Sun Wukong. Ah, oh, on s'est encore pris le... Non, meurs. J'ai dit meurs. Oh, meurs pas. Il meurt pas. Et en plus, on a un mort, nous. Oh, la haine. Petit Darès. Petit Nox. Qui tue la Nox. Qui touche la Nox. Mais la Nox ne mourra pas. Vulcain, la chaîne. Bien joué. On va aider là. Oh, le burst. Double kill. Peut-être un triple. Ah, va falloir m'aider là. Le slow. Nox, mets le 1. Voilà. Ouh, aïe aïe. On est gide. C'est bon. Elle m'a pas touché la Nox, mais on est gide au cas où. Oh non, des minions qui passent. Il y a 14 à. Ça, c'est double. C'est pareil, hein. Ouais, c'est double. J'y crois pas. On a 3 kills d'avance et on a 15 points de retard. C'est chaud, hein. Très très chaud. On force le bac d'Artemis. Ok, le dodge du sort de Sobek. Aidez-moi! C'est bon. UTRS. Oh! Oh! Faut le tuer avant qu'il tue Ares! Oui! C'est beau ça! Et on repasse devant! On repasse devant! Mais on a 7 kills d'avance pour un point d'avance! C'est vrai qu'on voit que le dépush c'est quand même important. Et j'ai peut-être pas assez. J'ai pas été assez orienté dépush parce que c'est moi qui dois dépush le plus.
Nox, elle peut pas trop dépush parce que si elle utilise son combo pour dépush, bah elle a plus de dégâts. Si là, ça me ferait pareil. Moi, bon, je prends 2 de dégâts. Hein. C'est le moment où je peux carry. Je suis à 3 objets. Je suis en avancée sur mon save the kin. On a pris une curse sur la gueule. Sobek qui essaye de venir me chercher, non? Ouais. Je sais pas. Ah, il essaye de venir me chercher. J'aurais peut-être du beats. J'ai beats trop tard, je meurs. Ah là là là, c'est chaud, hein. C'est chaud. Les mecs en face sont chaud chaud cacao. Il doit avoir un assez bon niveau. De toute façon, généralement, je repère certains joueurs qui sont là toutes les semaines. On repère quand certaines games sont... Ouais, nous on a un wombo combo de la mort qui tue quand même. Hein. C'est ce qu'on appelle un wombo combo de la mort qui tue. Parce que ça tue. Hein. Et c'est la mort. Donc voilà. Ah, mais il y a une Nox derrière moi. D'accord, il y avait une Nox derrière moi. Ça, c'est le défaut d'avoir une Nox dans votre équipe et une Nox dans l'équipe adverse. C'est que vous savez pas quand il y a un sort qui pop si c'est la vôtre ou si c'est la leur. Je n'aime pas les matchs miroirs. Pour tous ceux qui ont joué beaucoup à des en ligue ou machin et qui sont habitués à jamais avoir le même dieu en face de l'autre. Quand vous avez fait énormément de renquêtes sur League of Legends et que vous mettez à jouer à Smite il y a 3 ans, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de games de LoL. Je pense que j'ai rattrapé mon nombre de games, je pense. Maintenant j'ai autant de games sur Smite que sur LoL, mais pendant très longtemps, vu que je joue pas autant qu'on pourrait le croire. Je suis à 800 heures de jeu en plus de 2 ans, ce qui est pas masse non plus, mais ce qui est quand même pas mal, ce qui fait quasiment une heure de jeu, un petit peu plus d'une heure de jeu, quasiment une heure et demie de jeu par jour depuis que le jeu est sorti, enfin depuis que j'ai commencé à jouer au jeu. C'est pas monstrueux, hein. C'est pas monstrueux parce qu'il y a des gens qui jouent par exemple le week-end 5 heures d'affilée, ouais. Ça fait comme s'ils avaient joué toute la semaine une heure par jour. Oh, mais il prend tous les kills ce headbutt, c'est pas possible. Mais arrêtez-le. Mais jetez-le en prison. Il prend tous les kills. A chaque fois ça setup trop bien pour lui. Genre tout à l'heure il y a eu un wombo combo à Restila. C'est qui prend le kill? C'est le headbutt qui pose son ulti. Voilà, tranquille pépère. Lui il arrive, voilà, les doigts de pied en éventail. Il arrive, il prend tous les kills. Ouais, il a décidé de prendre tous les kills de cette partie. Ah, on casse mes ruches, c'est chiant ça. Puis quand on rate ses autos, c'est chiant aussi. On remet des ruches un petit peu partout. Raté. Oh la chaîne, dommage. Il a encore sondage, donc faut faire gaffe au petit Sobek. Il passe sa vie à me dash dessus. Hein. Petit Darès. Ça ramène le Vulcain. Oh, les dégâts d'AMC quand même. Et oh, maintenant je te tue, mon cher Sobek. Maintenant je te tue. Maintenant t'arrêtes de me grabe dessus. T'arrêtes de me grabe. Parce que sinon je te défonce. Je suis AMC quand même. Hein. AMC a passé le save de Kin. Ça picote. Regardez comme ça picote. Ça picote. C'est des petites piqûres d'abeilles à chaque fois. Bien joué. Le petit Vulcain. J'en peux plus moi de la Nox. Je sais jamais si c'est la mienne ou si c'est la leur. Ah bah non Vulcain. Ah bah non. Ah bah non. Non Vulcain. On peut pas faire d'erreur de positionnement. Pas contre un AMC qui réussit ses auto-attaques. Enfin dira-t-on. Enfin je réussis mes autos. On a le fléau titan. Et là, là on est une vraie machine à guide de guerre. Là c'est Stallone. C'est Stallone. AMC c'est Stallone. Voilà, t'as raté ton dash, maintenant t'es mort. Voilà, c'est le problème de Sobek. Voilà mon grand, voilà, hein. Non, non, il va pas survivre. Ne me dites pas dire qu'il va survivre. Non, bah c'est le seul mouton qui va mourir. Donc c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil. On va essayer d'aller chercher le... Regardez, le slow qui a mis les autos, il ne peut rien faire. Et il meurt. J'adore AMC.
Et là, on commence à se feed, hein. 8-4. Au début, on a galéré. On a donné le premier kill. Voilà, on était en PLS. Mais c'est AMC. Ça met du temps à rentrer dans la danse. Une fois que c'est rentré, ça picote. Non, 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 pas le dash. Voilà, t'as raté ton dash. Et oui, mais c'était au calculated. Non, 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 non. Je reste hors dehors de la zone. Je reste en dehors de la zone. Oh, on survit. On survit à l'Utinox. C'est bon, on survit à l'Utinox. Oh, il pète toutes mes ruches. C'est dur. Non mais c'est bon Nox. Oh là, oh. On a l'Artemis à aller chercher là. Non. Mais tu es là. Mais y'a personne. Y'a personne. Ah oui, l'arrêt c'était mort. On n'a pas de front lane. Ah, c'est pour ça qu'il faut deux front laners. Ah là là, on donne trop de kills là. À cause du... Qu'est-ce que Skyrox était mort et qu'on avait pas on n'a pas de deuxième frontliner, donc il n'y a personne qui ose y aller. Oh, je prends le dégât de Nox, mais je suis en dehors. Oh là là. J'ai mon petit doigt qui est dedans, je me prends les dégâts. Quoi. Là, c'est un peu con, là. On vient de donner beaucoup de kills d'affilée. Ah, là, on peut faire Pinta, là. Si, là, peut-être. Oh non, mais faut les tuer, là. C'est pas permis de rester en vie comme ça. Allez, allez, je prends tous les games, mais c'est pas possible. Mais arrêtez-le. Ma retuite, retreat, retreat, reculez, reculez. Oh, y'a rien, pas de buff de dégâts. J'ai mon Fatalis. Et j'ai pas mon élixir. À 450, malheureusement. Bon, bah ça va jouer sur le fil. Les 50 derniers points, on a quand même 8 kills de plus. Hein. On a vraiment été en PLS au niveau des Lastit et en PLS au niveau des sbires qui sont passés. Parce que sinon, on devrait avoir 8 x 5, 40 points d'avance. La game devrait être terminée. C'est pour ça que je le dis souvent, les Lastit c'est important d'arène. Bon, faut pas jouer que pour ça, faut faire des kills. Parce que des arènes où il y a que 4 kills en 10 minutes, c'est quand même pas très drôle. Là, il y a quand même eu, vous voyez, un nombre de kills assez incroyable. De Wombo Combo, Ares, machin. Oh, j'ai toute la frontline qui m'arrive dessus, mais on leur fait très mal. On n'arrive pas à les tuer. Et la frontline qui a réussi à tenir, même si là, on en tue un. Ouais. La frontline qui tient très longtemps. Unbats qui focus la frontline. C'est dommage. On aurait dû avoir des gens qui étaient sur la backline adverse, on n'avait personne. C'est compliqué, donc Artemis arrive à DPS, elle fait ce qu'elle veut. Tandis que nous, on se fait zoner par Sun Wukong et Sobek. Donc 10 à 10, va falloir y aller. J'ai mon burst à l'ultimate au cas où. Faut y aller. En fait, le problème de pas avoir de front lane, c'est que mes ruches ne tiennent pas en fait. Parce qu'on n'a pas de front lane, donc faut y aller là. Faut y aller. Faut y aller. Faut pas que mes ruches meurent. Attention, il est parti avec AMC, l'ultimate. Il ramène quelqu'un, on le tue. On le défonce à l'ulti. Il faut encore prendre un kill, les gars, un kill. Qui meurt, Unbats. Ah là 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 là. Astila qui a encore son ulti. Dommage, on aurait peut-être pu tuer. Mais une nouvelle fois, pas facile de jouer avec un frontliner en arène. Ça a failli passer. Ça a failli passer et ça aurait dû passer puisqu'on a énormément de kills de plus que l'équipe adverse. Une nouvelle fois, on s'est fait avoir sur les last hits, sur les sbires, mais c'est un peu ma faute. J'aurais dû beaucoup plus clean les waves avec mon AMC et beaucoup plus me concentrer là-dessus. J'ai voulu faire pas mal de DPS. Ça m'a joué des tours, je me suis fait pas mal grab par Sobek et à chaque fois j'arrivais pas à la bide ou je bidais trop tard. On a fait 32 000 de dégâts, normal avec AMC, mais j'aurais peut-être dû un petit peu plus Lastit les sbires. J'espère que vous avez apprécié cette petite arène abonnée. On se retrouve pour un nouvel épisode. Bon jeu à vous.